vous souhaite la bienvenue. Merci. Vous pouvez prendre des photos, ça ne me gêne pas. À condition que ça soit en couleur. Parce que toujours je travaille avec le blanc et noir, alors je veux que mon bonnet soit jaune un petit peu. Alors d'abord, je vous laisse admirer comment ça se fait. Parce que là, c'est une spécialité qui se fait seulement à Meknès, il n'y a pas ailleurs. Et c'est ça ce qu'on appelle la damasquinerie. C'est du fer forgé, incrusté en fil d'argent. Toute la déco que vous voyez là sur, c'est avec le fil d'argent. Mais comment on arrive à faire une pièce noire comme ça, toute lisse? Là, pour y toucher, s'il vous plaît, c'est lisse. De loin, vous pouvez dire que c'est de la peinture. Oui. Mais en réalité, non. C'est pour ça que je ne laisse pas les Chinois prendre des photos. Sinon, ils vont faire la coupe. Je ne suis pas contre eux, c'est des travailleurs. Mais ils ont tout coupé. La seule chose qu'ils n'ont pas pu copier, c'est les petits pains chocolat français. Ou bien la chocolatine pour les Toulousains. Alors, premièrement, on prend un morceau de fer et on fait la forme de l'objet qu'on veut obtenir. Après la forme, avec une lame comme celle-ci, on fait des rayures dans tous les sens pour rendre la matière en relief, suivant le millimétrage de pile, comme ça. Dans tous les sens. Comme ça, les rayures se croisent, ça devient comme une sorte de petite pointe. Comme ça, lorsqu'on commence à faire les dessins, on peut jouer avec le fil comme on veut. Les dessins, ça sort de la tête. Après avoir rayé la pièce, ça devient blanc. Or, blanc sur blanc, on ne peut rien voir, c'est normal. C'est pour ça que je le mets au feu, pour obtenir la couleur bleue. Comme vous dites chez vous, le bleuir. La couleur bleue, ça nous donne le contraste de voir. Et tous les dessins sont faits avec un seul fil d'argent. Et calé de ce petit maton, on essaie de placer le motif à l'inspiration. Et le chargement, ça se fait un fil à côté de l'autre. Ce qui demande la vision et la précision. Heureusement que les carottes ne sont pas chères au Maroc. On y mange beaucoup. Et lorsque c'est fini chargé, ça passe une deuxième fois au feu. Comme ça, l'argent s'append, ça rentre de plus en plus à l'intérieur. Et on fait le polissage. Lorsque c'est poli, les rayures se referment, l'argent ça s'aplatit, ça pénètre définitivement dans le fer et ça devient lisse et blanc. On la remet une troisième fois au feu de charbon et on le transmet dans un bain d'huile pour obtenir la couleur noire. Comme ça, le fer, ça ne s'oxyde pas, ça rouille. Et c'est normal, avec le temps, l'argent ça ternit, ça devient un peu comme ça. Regardez comment on le nettoie. Eau et savon, et laine d'acier, le tampon Jex, que tout le monde connaît. Regardez, ça prouve que l'argent ne part pas et le noir ne part pas. Même si on le met à l'extérieur de la maison, dans un petit jardin, ça ne craint rien du tout. Regardez. 10 secondes, c'est pas fatigant pour les gazelles. On sait que les hommes aident un petit peu. Ça, c'est à propos de la première spécialité de Meknès. Quand vous connaissez qu'au Maroc, il y a 4 villes impériales. Chaque ville, il a une ou deux spécialités. Meknès, il est réputé par 2. La damasquinerie et la broderie. Mais excusez-moi, je vous donne des explications sur notre art. Il n'y a pas d'obligation d'acheter. Acheter ou pas acheter, soyez toujours les bienvenus. Merci. Mais c'est mieux acheter, hein.